L'un des témoignages les plus forts dans votre documentaire, Hugues Nancy, c'est celui de quelqu'un qu'on a assez peu vu, assez peu entendu ces dernières années. C'est Simon Fieschi, le webmaster de Charlie Hebdo. Il a été blessé le 7 janvier 2015. Il a été touché à la moelle épinière. Il a donc des séquelles dont il a voulu témoigner lors du procès organisé cet automne. Il a notamment raconté les difficultés que cela représentait pour lui de montrer sa colère d'une manière, vous allez le voir, assez triviale. Parmi les séquelles physiques que j'éprouve, une paralysie partielle de la main, et il se trouve que je ne peux plus faire de doigt d'honneur. Je ne peux plus le faire à la main droite non plus parce que c'est ballot, il me manque le doigt principal. J'ai vraiment hésité à le dire parce que, bon, ça paraît absurde. Mais déjà, je trouve que ça explique ce qui arrive à une main. Et puis, je trouvais que ça, que c'était une façon qui représentait assez bien le journal d'expliquer ça. Et je disais, je peux plus faire de doigt d'honneur. Il y a des jours où ça me démange. Il y a vraiment des jours où ça me démange, mais en fait, j'étais inexact. Je peux toujours faire un doigt d'honneur. Je suis juste obligé de m'y prendre à deux mains. Voilà. C'est ça aujourd'hui, Charlie, être obligé d'avoir deux mains pour faire un doigt d'honneur. Évidemment, c'est un témoignage bouleversant. J'entendais Yannick Enel qui racontait que c'était un des témoignages qui l'avait le plus touché. Et moi aussi, dans la salle, c'est vrai que, et face au tribunal, à la barre, il a expliqué qu'il ne pouvait plus faire le doigt d'honneur. Ce qui est très fort dans le témoignage de Simon, c'est que il savait que politiquement, d'autres que lui allaient défendre la ligne de Charlie Hebdo. Et lui, il s'est dit, voilà, ce que j'ai envie de raconter, à la barre, il s'est avancé à la barre, il a dit voilà, moi je vais juste raconter les dégâts que fait une balle de Kalachnikov quand elle ne tue pas. Et il nous a décrit pendant un très très long moment tous les séquelles, tout ce qu'il avait subi, ce que son corps avait subi, parce qu'il voulait que les gens dans le box des accusés, qu'ils soient complices de terrorisme ou pas, ou condamnés pour association de malfaiteurs, parce qu'il y avait c'était ça le débat dans le procès, il voulait que ces gens sachent qu'une arme de guerre, ça fait des ravages. Et que donc, quand on est complice de ça, c'est particulièrement grave, évidemment. Depuis les attentats, la rédaction se trouve dans des locaux hyper sécurisés, dont l'adresse est tenue secrète, sous haute protection policière. Je crois que c'est la première fois qu'une caméra y pénètre. L'ambiance est assez impressionnante. Elle est impressionnante, mais comme tout, elle est impressionnante la première fois que l'on y va. Parce que c'est un peu surprenant. Il y a beaucoup de sas, il y a beaucoup de systèmes de sécurité. Impossible d'accès sans y être invité. Donc c'est impressionnant la première fois. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, il y a des fenêtres, oui, mais elles sont très hautes, les fenêtres, vous le voyez là, à l'image. Mais c'est Juin qui le dit dans le film, et je trouve qu'il a raison. Pour avoir passé du temps là-bas. La rédaction de Charlie. C'est vrai qu'il y a une ambiance de travail, il y a une ambiance plutôt amicale, et on sent qu'ils se sont appropriés cet endroit. Même si j'imagine que pour eux, au départ, c'était assez douloureux. Et puis c'est totalement incroyable qu'une rédaction soit obligée de vivre dans ces conditions-là, aujourd'hui, pour exercer son métier. Mais franchement, ils s'y sentent plutôt bien. Et quand on y passe quelques heures, plusieurs fois, on ne sent pas la pression du bunker.